si le match n'a pas lieu dans le VAR, ou au pire au Vélodrome, on déclarera forfait. Bon, samedi, Marseille, hier Football Club, match 32e de finale de Coupe de France. Alors, j'ai dit qu'on allait boycotter, ou qu'on allait déclarer forfait. Il se trouve que c'est compliqué de déclarer forfait dans les règlements. Alors, on va faire pire. On va aligner la meilleure équipe possible. Là, j'ai pas une bonne nouvelle pour l'OM. D'abord, nous, on trouve que le football, la Coupe de France, c'est machiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes dans les équipes et ce n'est pas normal. Donc, nous, on va aligner une équipe avec des hommes et des femmes parce qu'on respecte tout à fait la parité dans le football et j'espère que ça servira d'exemple à beaucoup d'autres. Ensuite, ben, c'est une équipe de tueurs. Hein. Allez, c'est une équipe de tueurs. Il faudra juste que je parle un peu avec le préparateur physique parce qu'il y a 2-3 problèmes, mais ça va se régler d'ici samedi. Je préviens, je sais qu'en tribune, il va y avoir beaucoup d'agents du monde du football. Je vous préviens, tout le monde est signé. Voilà, c'est signé, c'est pas la peine d'essayer de les attraper. Ils sont tous verrouillés. Star du recrutement, je vous présente Pierre Lot, on l'appelle un peu Pierre Gros en ce moment. Mais vous allez voir, samedi, ça va détonner. Le préparateur physique s'en occupe, il sera au top. Je confirme, président, en pleine forme. Et bien, Pierre Lot, non pas Pierre Gros, hein. J'y tiens. Numéro 9, je suis là pour marquer des buts. Bah, écoutez, j'avais demandé au président vraiment d'être paradin et de mettre beaucoup d'argent sur le recrutement. Donc on a eu un recrutement qui a dépassé les 190 millions d'euros. Donc là, vous pouvez le voir sur le terrain avec des joueurs de forte qualité. Donc on ne prend pas cette équipe de l'OM à la légère. Et j'ai confiance aux garçons et aux filles et à ceux qui vont sortir avec le bracelet ce week-end pour faire un gros match. Sincèrement, je ne vois pas comment l'OM va faire pour s'en sortir. Voilà, donc l'objectif c'est l'OM en 32e, le PSG en 16e, vous verrez, le PSG en 16e, et puis après c'est la magie de la Coupe de France. Voilà. Sérieux. Je veux même pas qu'on aille au pénalty, je veux qu'on gagne avant. C'est clair ? D'accord. C'est parti. Allez.